Salut Léna, comment tu vas? Oh, Clara, c'est toi! Je t'ai pas vu arriver! Bah écoute, ça va super, j'ai passé un bon week-end! Et toi? Bon, c'était plutôt cool, j'étais chez ma grand-mère et puis c'est tout, je me suis juste maté des films Netflix. Attends, je récupère mes affaires dans le casier avant qu'on soit en retard. Alors, mais c'est trop bizarre, c'est quoi ça? De quoi est-ce que tu parles? Tu parles de ton casier en bordel? Non, pas de mon casier en bordel, mais de ça, regarde, il y a une lettre dans mon casier. C'est quoi ce délire? Depuis quand on fait ça? Et des gens, ils ont vraiment cru qu'on était en 1960. Tu rigoles ou quoi? Mais c'est trop génial! On dirait trop d'un admirateur secret. Oh, c'est trop excitant, j'adore. On se croirait dans un film américain. Ou bien c'est le genre de personne qui te met un mot sur ton pare-brise pour t'insulter parce que tu t'es mal garé. Imagine, c'est un truc dans le genre là. Allez, vas-y, ouvre, ouvre, s'il te plaît, j'ai trop envie de voir ce qu'il y a marqué dedans. Allez, ouvre, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, d'accord, je l'ouvre, mais si c'est un truc avec des insultes et tout, je vais voir le directeur tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça dit? Allez, dis-moi, 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 je veux savoir. C'est une lettre de Josh, et par contre, il faut pas que tu le dises, mais il a bien noté que c'était un secret et qu'il fallait pas que je dévoile que je lui avais envoyé, enfin, qu'il m'avait envoyé cette lettre, et aussi qu'il faut qu'on fasse genre, voilà, comme d'habitude, quoi. Mais attends, il est juste derrière toi, vas-y, viens, on va le voir et tout. Comment ça, il est juste derrière? Mais t'as trop raison, il est juste derrière nous là, il est en train de discuter avec Kevin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? T'es en train de me dire qu'il est secrètement amoureux de toi? Ça dit quoi dans cette lettre? Raconte-moi en plus. En gros, dans la lettre, il dit que ça fait depuis la maternelle qu'il crush sur moi, mais qu'il osait jamais me le dire comme ça faisait un moment qu'on se connaissait, et du coup qu'il voulait pas briser notre amitié, et donc il ne m'a rien dit. Mais cette fois-ci, c'est bon, il est amoureux de moi et il me l'avoue dans cette lettre. Alors Josh, c'est bon, t'as gagné? Attends, j'ai presque fini ma game, regarde, je l'ai explosé. Je suis au moins top 1 actuellement. En plus, il est sur son téléphone, Josh. Imagine, il est en train de t'envoyer des messages. Ben non, il pourrait pas parce que il a même pas mon numéro de téléphone. On s'est jamais vraiment échangé de numéro de téléphone. En fait, on se connaît depuis la maternelle parce qu'on n'arrête pas d'être toujours dans la même classe. Mais on s'est jamais vraiment parlé en réalité. Il serait peut-être temps de faire connaissance alors. Mais comment? Il a très bien dit dans la lettre de faire genre comme si c'était normal et habituel entre nous et qu'il fallait pas que ça se sache. D'ailleurs, je te l'ai dit, je sais même pas si j'avais le droit de te le dire. N'importe quoi, je suis ta meilleure amie, c'est normal que tu me le dises, je suis sûre, puisqu'il le sait. Viens, Josh, on va en cours, comme ça on a les meilleures places. Il est toujours là? Oh, il est parti, il n'est plus là. Comment est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois vraiment faire genre comme si j'avais jamais reçu cette lettre et continuer ma vie normale? Oui, je pense vraiment que c'est ce que tu devrais faire, histoire de ne pas aller trop vite et de le brusquer, parce que si toi aussi t'es amoureuse de lui, parce que c'est vrai que tu m'en parles souvent, je sais que tu crushes sur lui également, mais je pense quand même que tu devrais éviter d'aller directement le voir, parce que ça pourrait lui faire peur, et comme il l'a écrit dans sa lettre, il veut quelque chose de discret, parce que je pense, alors c'est ma théorie bien évidemment, mais comme je suis ta meilleure pote et je suis très intelligente, je pense que c'est ça, il a juste peur que tu mettes un gros râteau devant tout le monde, donc il fait genre, oui, on garde notre relation discrète, tout ça, mais je pense qu'il a juste besoin d'être rassuré. Oui, je pense que t'as raison, ça doit être ça. Pour l'instant, je vais faire comme on fait d'habitude et je vais voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Viens, on va aussi en cours. Clara, on n'était pas censé faire nos devoirs chez toi. Si, c'est vrai, mais en fait, cette histoire de lettres, elle m'a tellement perturbée que j'arrive pas à me concentrer. Donc, faire les devoirs, là, franchement, j'y arriverai pas. Donc, je t'avoue, je pense que je vais demander, je sais pas, demain, on a qu'à demander à Samantha de nous prêter ses devoirs, là, le temps qu'on recopie tout. Ouais, t'as raison. Pourquoi s'embêter à faire les devoirs alors que les autres peuvent les faire pour nous? C'est une très bonne idée, ça. Puis en plus, c'est bon, hein, les devoirs d'anglais, là, elle abuse aussi, la prof, elle nous en donne tellement à chaque fois qu'on est obligé de passer 3 heures dessus. Alors au final, en plus, c'est des trucs trop faciles. Moi, je connais déjà tout bien en anglais, je me tape que des 20 sur 20, j'ai pas besoin de faire mes devoirs. Ouais, enfin, toi, oui, tu sais, moi, je me tape que des 5 sur 20, et même en te copiant en cours, j'arrive encore à me taper des notes en dessous de la moyenne, je comprends vraiment pas. Ça, c'est parce que tu recopies mal, tu copies les mauvaises lignes au mauvais endroit, aux mauvaises questions, donc tu réponds à des questions vraiment n'importe comment. Ça, c'est vraiment de ta faute. Faut vraiment que tu. Je pense en fait que tu as vraiment besoin de lunettes. Je sais, ma mère, elle me dit tout le temps de mettre mes lunettes quand je vais à l'école parce que sinon je vois pas le tableau. Mais ça me va tellement pas, mes lunettes. En plus de ça, t'as vu les beaux yeux que j'ai? Ce serait du gaspillage. Ben alors, t'attends quelqu'un? Non, pas du tout. Mes parents, ils sont pas censés rentrer avant 18h et il est même pas 16h30. D'accord, tu devrais peut-être pas ouvrir alors, on sait jamais, c'est un fou furieux. Mais non, t'inquiète, il y a des caméras partout dans ma maison, c'est vachement sécurisé ici, en plus le quartier est vachement calme. Je vais aller voir c'est qui. Oui, bonjour, qu'est-ce qui se passe? Vous avez besoin d'aide? Oh bonjour, je viens vous livrer ces fleurs.
Ah mais c'est un livreur de Bamazon. C'est exact, je suis bien livreur de chez Bamazon et je dois vous livrer ces fleurs. Vous devez faire erreur, hein. Je ne pense pas que quelqu'un ait commandé des fleurs ici. En plus, mes parents ne sont même pas là. Écoutez, mademoiselle, j'ai ces fleurs au nom de Clara et c'est bien cette adresse juste ici. Ah, mais c'est même pas des fleurs pour ta mère. C'est vraiment genre des fleurs pour toi. Quoi ? Ces fleurs, elles sont vraiment pour moi ? Mais c'est de la part de qui ? Vous pouvez regarder l'expéditeur qui a acheté ces fleurs. Je suis désolé, il y a marqué que c'est anonyme. Vous prenez ces fleurs, mais non, j'ai pas mal de livraisons encore à faire. Allez, vas-y, elles sont pour toi, prends-les. Bon, d'accord, vous pouvez me les donner. Merci. Wow, c'est trop bizarre. Passez une excellente journée, au revoir. Ces fleurs sont réellement pour moi, effectivement, il n'y a pas de nom de qui aurait pu me les envoyer. C'est trop bizarre, tu trouves pas? Tu rigoles, trop bizarre pour toi, ouais. Aujourd'hui, t'as reçu une lettre dans ton casier de Josh, et juste après, tu reçois des fleurs, mais tu ne fais pas le lien. Tu es bête. Comment ça, je suis bête? Mais non, mais c'est trop nouveau pour moi, c'est trop bizarre. Déjà, recevoir une lettre dans mon casier, ça fait tellement bizarre. J'ai l'impression qu'on regarde un vieux film des années 80 à l'américaine, et maintenant, je reçois des fleurs à la maison. Je veux dire, on dirait limite un truc... Enfin, je sais pas, on fait plus ça en 2023. Aujourd'hui, on envoie des messages et ce genre de choses. On discute sur Discord, mais s'envoyer des fleurs, c'est pas un peu bizarre? Mais n'importe quoi! Arrête et franchement, tu devrais être contente d'avoir recevoir des fleurs. Il n'y a pas beaucoup de filles qui reçoivent des fleurs. Il doit être sûrement très romantique, Josh. C'est juste que t'es célibataire depuis bien trop longtemps. Vas-y, donne-moi ces fleurs parce que comme ça, je vais les mettre dans un vase avant qu'elles pourrissent dans tes mains là. Parce que bon, vu comment c'est parti, tu vas les manger bientôt ces fleurs. Attends, je m'en occupe. Ouais, ok, d'accord. T'as vu, il y a Josh et Kevin qui sont en train de discuter à la cafétéria. Ouais, je vois ça. Ça te dirait qu'on s'assoit genre une table à côté, comme ça on les écoute en train de discuter, on pourrait les espionner. On a plus 7 ans pour faire ça, mais qu'est-ce que tu racontes, Léna? Moi, je propose, c'est d'aller... Bah, je vais aller le voir, tiens. Je vais aller voir Josh, je vais le confronter parce qu'il m'a quand même offert des fleurs hier, faut au moins que je puisse le remercier. Non mais t'es folle, fais pas ça. Rappelle-toi ce qu'il avait marqué dans sa lettre hier. Oui, je m'en rappelle, il a dit qu'on devait rester dans une relation discrète, mais franchement j'en ai marre, j'ai l'impression qu'on a 12 ans. On n'a pas 12 ans, on a 15 ans, on a 16 ans, mais pas 12 ans, enfin on fait plus ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi je trouve ça vachement mignon, tu sais, ça fait genre vraiment très romantique. Regarde, il est juste là, devant moi, en train de parler avec son pote Kevin, et on va faire quoi? On va genre le snober, je vais passer à côté alors que hier il m'a offert de magnifiques roses. Non, vraiment c'est pas du tout mon style, je vais aller le confronter. Non, n'y va pas, imagine que tu vas tout gâcher. Salut Josh, comment tu vas? Oh, Clara, ça va très bien et toi? Au cas où, hein, moi c'est Kevin, salut hein. Je voulais te remercier par rapport à hier. Me remercier par rapport à hier? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai ouvert la porte, c'est ça? Ou un truc du genre? C'est bon, Josh, t'as pas besoin de faire semblant, je pense qu'on n'a pas 12 ans, on peut se parler en tête à tête si tu veux, on peut aller parler en privé. Oh, je n'ai absolument rien à cacher, dis-moi. Clara, tu devrais arrêter, vas-y, viens, suis-moi, on y va. Non, t'inquiète, Josh, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, y a pas de soucis, hein, clin d'œil, hein. Mais Léna, t'es trop bizarre, arrête, tu vois bien que j'essaye d'avoir une discussion avec lui. Ouais, je voulais te dire merci pour les fleurs. Mais de quelles fleurs tu parles? Je ne comprends pas. Comment ça, tu comprends pas? Enfin, hier, tu m'as envoyé des fleurs à mon domicile, non? C'est un peu étrange, là, mais je connais même pas ton adresse. Comment voudrais-tu que je t'envoie des fleurs à ton domicile? Mais attends, si ce n'est pas toi qui as envoyé les fleurs, c'est qui? Viens, on y va, ça devient bizarre, là. Je pense qu'il veut juste pas que ce soit... Enfin, je veux dire, personne devrait le savoir en public. Vas-y, viens, on y va. Non, je m'en irai pas. Je veux tirer cette histoire au clair. Et la lettre que tu m'as laissée dans mon casier? Clara, je pense vraiment qu'il y a quelqu'un qui est en train de te faire une mauvaise blague. Je t'ai pas donné de lettre dans ton casier. Mais alors, si ce n'est pas toi, qui ça peut être bien? Léna, est-ce que tu aurais quelque chose à me dire? Comme quoi? Je pense que vous avez des choses à régler. En tout cas, c'était bien drôle, hein. J'ai failli me demander s'il y avait une embrouille, là, parce que, bon, me parler de fleurs et tout ça, je me suis dit dans quel traquenard on me met. Non, mais pfff, trop la honte à cause de toi, franchement, t'abuses, et t'es censée être ma meilleure pote. C'est bon, t'es plus ma pote, je m'en vais. Clara! Clara, non, s'il te plaît! S'il te plaît! Attends-moi, Clara, s'il te plaît! Écoute-moi!
T'écoutais, je pense que je me suis assez tapé la honte comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, je vais sécher les cours, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde oublie cette histoire et reprendre une vie normale. Mais du coup, ce sera sans toi, parce que franchement, pour une meilleure amie, le coup que tu viens de me faire, c'est vraiment horrible. Tu sais très bien que je crush sur lui et tu en as profité pour t'amuser avec moi. Non, je te jure, c'était absolument pas mon intention. En fait, je voulais faire quelque chose, j'essayais de trouver un plan pour vous rapprocher parce que je sais que t'es en crush sur lui. Et je voulais que lui, bah, tu sais, il te voit, quoi, comme tu es, comme ma meilleure amie, tu es une très bonne personne. Et je suis sûre qu'il t'apprécierait s'il apprendrait à te connaître. Je préférais encore quand il m'ignorait que maintenant il sait que j'ai un crush sur lui. Voilà tout. Maintenant, je vais passer mon année à vouloir l'esquiver et c'est horrible pour moi, tu comprends? Mais pourquoi tu aurais besoin de m'esquiver? Oh, Josh, ouais... Comment te dire, ben je sais pas, je suis vraiment désolée, c'était un petit peu cringe ce qui vient de se passer à la cafette et je tiens excuse-nous, tu vois, est-ce qu'on peut passer à autre chose? Est-ce que tu peux m'ignorer comme tu le faisais avant? Mais pourquoi je devrais t'ignorer alors que je t'apprécie vraiment? Comment ça tu m'apprécies vraiment? Jusqu'à maintenant tu m'as toujours ignoré, tu ne m'as jamais adressé la parole. Comment te dire que jusqu'à aujourd'hui t'es considérée comme une fille populaire et tout, et moi je suis juste un mec comme ça, random de l'école, donc je pensais vraiment pas que je t'intéressais, et puis du coup j'osais pas te parler parce que ben voilà quoi, t'es populaire. Attends, t'es en train de me dire que t'as pas voulu me parler parce que je t'impressionnais ou un truc du genre? Ouais, c'est ça, exactement. Mais maintenant que t'es venu me parler et tout, et en plus, je te vois comme une personne normale maintenant, bah j'ai grave envie de faire connaissance avec toi. Alors, si bien sûr, tu m'apprécies en retour, on pourrait peut-être aller se faire un cinéma ou un truc du genre. Waouh, ouais, avec plaisir. Tiens, sur le ticket de la caisse de la cafétéria, j'ai noté mon numéro. Tu peux le prendre et tu m'envoies un message dans l'après-midi et puis comme ça on se capte ce soir pour se faire un cinéma. A plus. Attends, il vient vraiment de me donner le ticket de caisse de la cafétéria avec son numéro dessus. Oh non, ça je vais le garder précieusement, c'est dingue ce qui vient de se passer. Ben tu vois, ça s'arrange. Je suis vraiment contente, j'ai réussi mon coup. Bah du coup, tu me pardonnes? Franchement, je sais pas si je te pardonne parce que quand même, tu as essayé de faire un coup contre moi alors qu'on aurait pu faire un coup ensemble. Tu es quand même ma meilleure amie. Alors te pardonner, vraiment, je sais pas. Peut-être pas tout de suite. Dites-moi en commentaire si vous lui auriez pardonné à votre amie pour ce qu'elle a fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo.